Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h20, 20, enfin 31 et en heure locale et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour l'évangile, merci pour ta parole, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour nos péchés, Seigneur, que tu as pardonné, que tu as, Seigneur, ôté. Merci pour, Seigneur, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Nous voulons avoir les oreilles, Seigneur, ouvertes afin de comprendre, de saisir ta pensée, ta parole. Sauve-nous, Seigneur, en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions, Père. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, shalom à tout le monde, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur, le Seigneur est fidèle, il est magnifique, bonsoir tout le monde. Que le nom de Yehoshua, le Mashiach, soit béni. Alors, je voudrais ce soir commencer l'émission par bénir le Seigneur et dire merci au Seigneur et merci à tout le monde et aux frères et sœurs qui ont prié pour la petite fille ivoirienne Marie-Noël. Vous vous rappelez, c'était une fille, c'est une fille qui est orpheline de mère et elle était gardée par son père qui a des problèmes psychiatriques. Et son papa, on vient d'apprendre que c'est son papa qui lui a cassé la jambe droite, je crois. Et étant donné que ce monsieur souffre de problèmes psychiatriques, donc l'enfant blessé n'était pas soigné, et il n'a pas soigné, donc son os, l'os de la jambe, une partie de l'os de la jambe droite avait pourri, et il fallait rapidement l'opérer pour l'enlever, et c'est ce qui a été fait. Merci Seigneur. Donc il y a eu une grande mobilisation de frères et sœurs de par le monde qui ont participé parce qu'il fallait à peu près 3200, 3185 euros pour pouvoir l'opérer. Donc, elle devait subir une double opération, le retrait, premièrement, de l'os qui a pourri, et ensuite le retrait de la rate qui combattait les globules rouges. Donc, cet enfant qui est déjà à la base drépano et devait absolument subir ces deux interventions chirurgicales. Et grâce au Seigneur, qui a permis à ce que vous puissiez participer financièrement. Cet enfant a subi donc double opération qui était une réussite. Et nous bénissons le Seigneur pour notre frère qui fait partie des anciens, justement, de Côte d'Ivoire. Le docteur Marius Niaoui, qui a vraiment ouvert son cœur, qui a ouvert sa clinique pour pouvoir opérer cet enfant. Donc l'opération s'est bien passée. Et aujourd'hui, j'ai reçu une image de Marie-Noël, et vous allez la voir, elle est vraiment en bonne santé, elle a la bonne mine, elle a retrouvé le sourire grâce au Seigneur. Voilà, regardez, elle est là, toute belle et avec un sourire très, très communicatif. Hein, donc, voilà, c'est beau de voir cet enfant qui est toujours hospitalisé, mais qui a retrouvé le sourire. Et qui commence à avoir bonne mine. Hein. Regardez son visage qui commence n'est-ce pas, à briller. Voilà, merci Seigneur. Donc Marie-Noël, une petite fille ivoirienne qui était à 600 km d'Abidjan, abandonnée, enfermée dans une petite cabane. Et son père qui souffre toujours des problèmes psychiatriques, ne pouvait pas lui venir en aide et il a cassé sa jambe. Et là, il fallait absolument l'évacuer donc de ce village à Abidjan, et c'est ce qui a été fait. Et nous bénissons le Seigneur pour l'équipe au niveau de la Côte d'Ivoire, pour votre mobilisation en tout cas, mes frères et sœurs ivoiriens, que le Seigneur se souvienne de vous. Je pense à mon ami, à mon frère Kemel ainsi que Floriane, son épouse, que je salue leur fille, et à la famille TI, hein, papa et maman TI. Merci Seigneur pour votre vie. Et aussi, bien sûr, à la famille Niaoui, donc le docteur Marius, et toute l'équipe donc en Côte d'Ivoire qui s'est mobilisée pour
venir en aide à cet enfant. Et merci aussi aux frères et sœurs là-bas, toujours en Côte d'Ivoire. Apparemment, il y a quelqu'un qui est un de frères, une personne qui est pharmacienne là-bas, qui a offert des médicaments. Voilà, donc aujourd'hui, cet enfant se porte bien et nous allons continuer à suivre son rétablissement et sa convalescence. Et puis aussi l'aider par rapport à l'école pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, être inscrite hein, à l'école. Et donc, on va s'organiser pour lui venir en aide de temps à autre et jusqu'à ce qu'elle puisse avoir au moins son diplôme universitaire. Et voilà, donc nous voulons vraiment l'accompagner comme ça. Et que le Seigneur soit béni, Marie, Noël, Alléluia, gloire au Seigneur. Et elle aussi, en son tour, elle pourra aider d'autres orphelins. En tout cas, voilà les nouvelles pour Marie, Noël. Que le Seigneur soit béni. Et voilà, donc je pense que ça vous a beaucoup, beaucoup encouragé. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais... Justement, ce soir, je veux savoir s'il y a nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire sur le chat. Voilà, faites nos signes. On dit quoi? Alléluia, gloire au Seigneur. N'est-ce pas beau de voir cette petite restaurée? Voilà, complètement restaurée et bientôt elle va se mettre à sauter, à danser. Gloire au Seigneur. Donc, c'est beau de voir que. En tant que chrétien, on peut, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua le Messie, on peut se mobiliser pour aider les nécessiteux. Voilà. Donc, il y a la prière. Il y a aussi des actions, des actes qui peuvent être posés pour venir en aide aux enfants. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, elle a été opérée à Yopougon. Donc, Yopougon est une, je crois que c'est une commune là-bas, une grande, grande commune de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Donc, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, donc quelqu'un nous écrit, hein, donc, Yeshua is coming back. Donc, bonsoir de Côte d'Ivoire, c'est Alléluia, gloire au Seigneur. Enfin, nous avons des gens, nous avons quelqu'un de Côte d'Ivoire là-bas, que le nom du Seigneur soit béni. Nana Agbo dit, on est là, ça fait plaisir. On dit quoi? La Côte d'Ivoire nous manque là, mes amis. C'est comment là-bas en Côte d'Ivoire? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qu'on nous raconte un peu? Qu'est-ce qui se passe là-bas, mes amis ivoiriens et ivoiriennes? Que le nom du Seigneur soit béni. Marina Kofi, voilà, tous. Tous encouragés hein, de voir nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire mobilisés comme ça. Donc, je pense aussi à ma sœur, ma grande sœur, Angéline, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, la famille de Yeshua Mashiach. Les soldats du Seigneur sont debout. Alléluia. Voyez, je regarde en même temps le chat là, pour encourager tout le monde. Au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà. Magnifique Seigneur. C'est beau, on se bat, voilà, on prie, et le Seigneur permet à ce qu'elle l'ouvre, à ce que des portes s'ouvrent, eh bien, on s'engouffre dedans pour aider les pauvres. Et Satan est vaincu, complètement vaincu, au nom de Yehoshua, le Mashiach. Voilà, donc, gloire au Seigneur. Alors, nous voulons partager l'évangile, nous voulons parler de l'évangile. Et nous voulons surtout parler de celui qui est le centre de l'évangile et celui qui est la source de toute chose. Et vous savez de qui on va parler, forcément. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un demi. Et voilà, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'un. Mais avant de pouvoir partager l'évangile, je voudrais. Au nom du Seigneur Yeshua, le Messie, et au nom de TV de vie, et présenter nos condoléances de manière aussi publique à mon frère Deo Soukama, ainsi qu'à son épouse Sandrine, pour le décès de notre sœur, de notre grande sœur, de sa maman. Hein, le décès de la maman de Déo, pour ceux qui connaissent le frère Déo.
Et il l'a perdu ce dimanche. Et donc c'était hier, non samedi, pardon. Il a perdu sa maman, donc maman Margot, qui nous a beaucoup soutenus, beaucoup encouragés. Et donc je pense aussi à nos frères et sœurs des USA, qui sont aussi beaucoup affectés comme nous. Vous savez, on a fait une mission aux États-Unis au mois de donc fin février, début mars de cette année, et on était avec elle. Et la plupart des missions qu'on a eu à faire aux États-Unis ces dernières années, elle était là avec nous. Et on a prié pendant des années, le Seigneur l'avait beaucoup fortifiée, et malheureusement, elle est rentrée à la maison, je dirais, parce que nous ne mourrons pas, nous ne faisons que rentrer chez nous. Voilà, parce que nous sommes citoyens des cieux, selon les Écritures. Donc, maman Margot, pour ceux et celles qui la connaissaient, la maman de notre frère Déo, Joël, et les sœurs qui sont à Kinshasa, je pense à Merveille et d'autres. Et en tout cas, que le Seigneur vous soutienne. Voilà, donc pensez à eux dans vos prières, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Et la foi de mon frère Déo, la foi de cette famille, la foi de Joël, mon frère, et nous étonne, nous encourage énormément. Donc, je voulais vraiment vous dire que vous n'êtes pas seul, on est ensemble et dans cette épreuve difficile. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc le Seigneur est vivant. Donc, merci pour toutes les présentations de vos condoléances à la famille Soukama. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre frère Déo, on va juste on va vous présenter, vous mettre quelque chose, un petit chant là, vous allez voir. C'est des gens, des frères qui nous ont beaucoup encouragés hein, par leur chant, qui nous encouragent beaucoup et par leur chant. Et donc, et vraiment, il faut beaucoup penser à lui dans la prière. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, voilà, c'est un des frères du groupe Les Trompettes. Alors, je ne sais pas si vous avez le son ou pas. Alors, je vais demander à l'équipe de m'amener. Il y a un adaptateur là-bas. Donc, je ne sais pas si vous avez le son, faites-moi signe. Et il n'y a pas de son. Donc, il me faut un adaptateur rouge qui se trouve là-bas pour remettre le son. Seigneur, merci. Alors, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Alors, on va mettre rapidement un adaptateur, comme ça vous aurez le son. Et voilà. Donc, Déo, fait partie du groupe Les Trompettes. On a été beaucoup encouragés par... On est toujours encouragés par leur chant. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, faites-moi signe s'il y a le son. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Alléluia. Sur la terre,
sur la terre et dans les cieux, voyons sur le Christ à jamais. Christ est mon sauveur. Des frères qui nous auraient un peu point pour le point pour aller. Voilà. Voilà, c'est merci en tout cas pour vos prières, pour notre Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc voilà, c'est des chants que vous pouvez facilement trouver sur Internet, sur YouTube. Voilà. Au nom de Yeshua, le Mashiach. Alors, autre chose, il y a quelques nouvelles quand même à donner avant l'enseignement. Et je pense que vous l'avez vu. Alors, on va vous montrer quelque chose. Et voilà. Donc, nous venons justement de commander 10 000 exemplaires. Et donc là, je vais faire le point encore avec David. Mais sinon, on a eu le devis pour les 10 000 exemplaires de la BIM que nous avons commandé. Alors, pourquoi cette nouvelle impression? C'est une version particulière et parce que en fait, il y a de plus en plus de frères. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des problèmes de vue. Et cette version va leur permettre vraiment de lire facilement les Écritures. Pourquoi ? Parce que les caractères sont grands. Voilà, donc les 10 000 Bibles, grand format. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin de lunettes. Et en tout cas, beaucoup n'auront pas besoin de lunettes parce que les caractères sont assez grands. Et donc vous n'aurez pas besoin de lunettes avec ce format-là. Donc merci Seigneur. Et comme vous le voyez, les 10 000 exemplaires nous coûtent 73 850 euros. Et heureusement que le Seigneur a toujours été fidèle, frères et sœurs. En tout cas, merci pour vos prières, pour l'œuvre qui se fait grâce au Seigneur. Alléluia. Donc nous venons de commander les 10 000 Bibles grand format pour un montant de 73 850 euros. Voilà, merci Seigneur. Les choses avancent, les choses évoluent grâce au Seigneur. Voilà, donc c'est un grand format, donc on va pouvoir lire plus facilement. Et avec cette version, vous aurez dedans pas mal de choses que vous n'avez pas dans les autres versions. Vous aurez dedans, en fait, vous avez l'archéologie. Voilà, donc on explique un peu certaines choses dedans concernant l'archéologie biblique et qui confirme la véracité des écritures bibliques. Voilà, donc il y a plein d'autres choses en tout cas. Donc c'est un travail énorme et à cause de ce travail, on commence à avoir un peu de problème de vue parce que on reste des heures et des heures sur l'ordinateur pour travailler. Et matin, midi, soir, la nuit, parfois jusqu'à tard, il faut travailler pour que vous ayez
et cette parole. Voilà. Donc, et je voudrais aussi vous montrer, regardez les enveloppes qui nous viennent du monde entier, les enveloppes des frères et sœurs qui nous envoient pour... Je vais l'ouvrir devant vous, comme ça vous allez voir un peu le travail qui se fait. Et donc, des enveloppes qui nous sont envoyées pour commander des Bibles. En fait, commander, elle est gratuite, comme vous le savez. Mais en fait, tout ce que l'on demande aux frères et sœurs qui veulent qu'on leur envoie par la poste des Bibles, ben, de payer au moins les frais d'envoi eux-mêmes à la poste, pas à nous, mais directement à la poste, c'est-à-dire de prendre des enveloppes pré-affranchies. Et comme celle-ci, vous voyez, elle est déjà affranchie. Et Colissimo, je ne fais pas la pub. Hein. Donc, elle est déjà affranchie. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on prend une BIM et on la met dedans. Voilà. On ferme et on dépose à la poste. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est que pour la France. Hein. C'est que pour la France, il faut préciser. Et voilà. On va nous expliquer un peu là. Et là, ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour le Canada. C'est pour le Canada. Et donc, je vais déjà donner ça là-bas. Alors, ça vient du Canada. Elle est aussi affranchie. Alors, c'est. Ils ont. Donc, les frais ici, ils ont payé là-bas, à la poste là-bas. Voilà. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ou je dirais tout ce que le Seigneur fait. Tout est gratuit. Tout. La formation biblique, les livres qui sont écrits, les chants que le Seigneur donne aux frères et sœurs, et la prière dont les frères et sœurs ont besoin, tout est gratuit, comme le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout est gratuit. Et simplement, par rapport aux frères et sœurs qui sont loin, qui sont en France, en Europe, aux États-Unis, en Belgique, dans le monde entier, qui veulent avoir une Bible, ben on leur demande simplement d'aller à la poste chez eux, de mettre, comment dire, des timbres sur, ou d'affranchir, de mettre des timbres sur les enveloppes et de nous les envoyer dans une autre enveloppe. Comme ça, ben nous, à notre tour, ben nous allons mettre dedans des Bibles pour vous les envoyer. Voilà. Et là, par exemple, en recevant la lettre tout à l'heure, l'enveloppe, dedans, il y a ce petit mot. Voilà, 12 juin 2020. Bonjour à toute l'équipe. Merci de bien vouloir me faire parvenir la BIM ou BJC. Et voilà, soyez bénis. Voilà, donc, et c'est un travail terrible. Donc, si vous voulez une Bible, si vous habitez en Europe, vous habitez en Asie ou en Afrique, peu importe là où vous habitez, dans les îles, eh bien, il n'y a pas de problème. Allez sur le site de TV de Vie. Je vais vous montrer. Allez sur le site. Donc, on est sur le site. On est sur le site. Alors, vous cliquez contact ici. Contact. Vous voyez en haut, là, le curseur, là. Contact. Eh bien, vous avez l'adresse ici. Voilà. Donc, vous avez l'adresse. Vous allez à la poste, vous payez vos timbres normalement, vous prenez une deuxième enveloppe, vous mettez l'enveloppe timbrée à l'intérieur, et bien vous l'envoyez à cette adresse avec un petit mot pour qu'on vous envoie une, comment dire, une BGC, une BIM, voilà, une Bible. Et bien nous, on vous envoie ça, voilà, on vous la donne, cette Bible, parce qu'on l'a reçue gratuitement et nous la donnons gratuitement. Et ceux qui habitent en région parisienne ou en France ou qui veulent venir sur place pour chercher un exemplaire, il n'y a pas de problème. Et vous venez chercher votre exemplaire gratuitement. Voilà. Donc,
C'est un travail énorme, énorme que le Seigneur fait. Alors, quelqu'un nous demande, Chantal n'est pas, nous demande le poids de la Bible. Et le poids de la Bible. Alors, logiquement, ça fait 1 kilo. Voilà, on me dit que ça fait 1 kilo. Et voilà, en France, en fait, le frais d'envoi, je pense, c'est 7 euros, si je ne me trompe pas. Et nous avons, par exemple, une personne vivant au Brésil qui nous a demandé une Bible. Donc, exceptionnellement, on a payé les frais pour lui envoyer un exemplaire. Et je crois que ça nous a coûté pas mal d'argent. Et c'est pour cela que pour nous soulager, nous vous demandons simplement de payer vos timbres à la poste, pas à nous, mais à la poste, pour pouvoir, pour que nous, à notre tour, on vous envoie ces Bibles, quoi, parce que ça coûte énormément, comme vous avez pu le voir. Et, par exemple, les 10 000 exemplaires grand format que nous avons commandés, vous avez vu le prix, hein, regardez, 73 850 euros. Donc, c'est beaucoup d'argent à chaque fois. Et je crois que la première commande, la première version a coûté près de 85 000 euros, voire plus, si je ne me trompe pas. Donc, tout ça, c'est fait par la foi et c'est le Seigneur, et, le Seigneur qui permet à ce que l'œuvre se fasse, voilà, proprement, correctement, pour sa gloire et à lui seul la gloire. Et c'est aussi grâce à, grâce à son esprit, vos prières et tous vos encouragements, eh ben, tout ce travail se fait. Donc, une Bible et, de ce format, parce qu'on a eu plusieurs formats, une version, alors j'ai plus de format ici parce que j'ai mis ça dans une enveloppe. Alors, si on peut me ramener un exemplaire, ça serait une bonne chose. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, assez. Ok. Voilà, donc, gloire au Seigneur. Alors, si on peut me ramener un exemplaire, un format, là, de la Bible. Voilà, au nom de Yeshua. Voilà, donc, là, par exemple, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu de format, ce format. Donc, ce format-là est, fait 1 kilo. Voilà, 1 kilo. Et on a reçu aussi cette enveloppe toujours par rapport à la commande, hein, comme on vous l'a dit. Donc, celle-ci, on ne l'a pas encore ouverte. Alors, je l'ouvre devant vous. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Voilà. Donc, avec un petit, une petite note. Voilà, affranchie à la poste. Et là, on a, ben, bonjour à toute l'équipe. Je vous remercie pour vos soins d'envoi et attends de recevoir ce livre voilà, de connaissance du Yehoshua Mashiach, le maître, voilà, sauveur du monde. Shalom. Et voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et ben, l'équipe va venir pour envoyer ça. Donc là, on lui met dedans, Colissimo. Alors, comme c'est moi qui veux ça dedans ce soir-là, je veux avoir un CD. Voilà, là, ça part, c'est dans le 78. Alors, exceptionnellement, comme c'est en direct, je vous offre un CD de l'équipe de Brazzaville, des frères et sœurs de Brazza. Je mets dedans. Voilà, c'est une belle surprise. Voilà, là, c'est bon. Il y a l'autre, non ? Là-bas. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Et c'est un grand travail que le Seigneur fait. Et donc, l'autre enveloppe, comme ça, je vais mettre, comme j'en ai reçu, on en a reçu deux. Alors, il ne faudrait pas que la deuxième personne se sente
comment dire, rejeté. Donc, on veut être juste. Et je tiens vraiment à dire merci aux frères et sœurs qui m'ont beaucoup aidé pour cette traduction. Et voilà, et c'est une équipe, grâce au Seigneur, hein, une équipe solide, hein, voilà, qui bosse en permanence. Et voilà, des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur et qui aiment le Seigneur et qui voilà, se battent. Alors, quelqu'un demande l'adresse. L'adresse, voilà, la voici. Voici l'adresse. Voilà. L'adresse est là. Merci. C'est parfait. Donc, j'espère que vous avez noté l'adresse. Alors, on va revenir. Voilà. Donc, voilà, deuxième enveloppe, c'est là. Deuxième enveloppe, c'est là. Et là, je mets la BIM à l'intérieur. Là, ça part dès ce soir. Et un CD de louange à l'intérieur. Tout ça, c'est gratuit. Grâce à qui? Ben, grâce à celui qui a versé tout son sang pour nous. Merci. Voilà, donc, ben, ceux qui sont à côté, ceux qui sont à côté d'Evry, et on est là jusqu'à 21h au moins, ben, ceux qui sont à côté et qui veulent passer pour récupérer quelques exemplaires, bon, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci, on est là. Et voilà, ce n'est pas une église, hein, c'est juste une mission et un service, un ministère que nous rendons au Seigneur et aux frères et sœurs. Donc, vous pouvez passer rapidement ce soir pour ceux qui sont à côté pour récupérer leur BIM au nom de Yehoshua. Et alors, quelqu'un dit, frères et sœurs, est-ce qu'on peut venir sur place pour recevoir la Bible? Merci. Bien sûr, Kwasi, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, tout est possible à celui qui croit. Et alléluia, gloire au Seigneur. Bien sûr, on est au service du Seigneur, à votre service. Et alors, je vais demander de nouveau à l'équipe, je vais vous embêter ce soir. Et voilà. Alors, ceux qui vont passer ce soir, ceux qui sont à côté pour récupérer leur BIM, ils vont avoir en plus de ça, soit ce mug ou cette tasse. Voilà. Quelqu'un peut venir m'aider, s'il vous plaît? Pourquoi vous êtes loin comme ça, là, si à l'enlèvement, là, vous risquez de rester. Voilà, donnez-moi les... donnez-moi les... les agendas, là. Ouais, les bloc-notes. Alors, ceux qui vont passer, ils vont... Il y a quelques mugs qui restent. On veut que vous puissiez en bénéficier. Hein. Donc, c'est là-dedans. Voilà. Soit ça va être un mug là. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu de BIM, pas les anciens qui ont déjà reçu tout ça, non, les nouveaux. Voilà. Et soit c'est des mugs ou soit c'est le bloc-notes là avec stylo. Voilà, tout ça c'est gratuit. Gratuit au nom de Yeshua. Voilà, c'est beau, hein? Voilà. Alors, je pense qu'on pourra commander d'autres mugs et à la livraison de la BIM version grand format, on pourra commander plein de blocs-notes et de mugs pour vous les offrir au nom de Yeshua. Voilà. Ah, ma sœur Angéline qui dit, je vais envoyer une enveloppe pour le mug, frère. Bon, ma sœur Angéline, comme tu as eu foi
Il y a déjà ton mug qui est là. Attendez. Voilà, c'est bon. C'est bon pour toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, ma sœur, hein, voilà, que le Seigneur soit béni. Moba, Moba, viens voir là, s'il te plaît. Je te donne ça en direct, mon frère Julien. Prenez ça, c'est pour notre sœur. Ma sœur Angeline, voilà, après l'émission, un coup de fil ici. C'est noté, c'est réglé. Marie-Louise Dorothée, mais je suis à Martinique. Attends, Moba, viens ici, s'il te plaît, mon frère, dans le Seigneur. Exceptionnellement, on a une sœur de la Martinique là-bas. Là. Marie-Louise Dorier, qui est de la Martinique, qui va nous envoyer son numéro là. Comme ça, il y a ce mug là-bas, on va s'organiser. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, quelqu'un a dit, Lando Makanda a dit, pour nous qui sommes en Belgique, à Bruxelles, c'est comment? Ben, écrivez-nous, envoyez-nous des courriers par la poste. Voilà, je vais aussi envoyer une enveloppe préaffranchie pour la BIM, s'il te plaît, frère Jean, je n'ai pas la nouvelle. Oui, Cassandra D, avec joie, avec joie, avec joie. Et il y a encore plusieurs cartons qui restent de la BIM, donc il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde pourra être servi. Et je voudrais. Et attends, je vais faire quelque chose tout de suite là. Parce qu'on aime bien improviser les choses. Hein. Vous voyez, on n'est pas des, on veut pas être des religieux. Hein. On veut se laisser guider parce qu'on est. Nous sommes une famille là, en tant qu'enfants d'Elohim. Alors, on va passer, parce que je vois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui demandent des mugs. Allô? Oui. Allô, David? Oui. On est en direct. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui demandent des mugs, tout ça, des agendas, là, des blocs-notes. Là. Est-ce qu'on peut commander des mugs ou pas, là? Oui, bien sûr. Pas de problème. C'est bon. On peut commander une cinquantaine encore, là. D'accord. Voilà, d'accord. Voire même plus, comme ça tu me dis un peu. Voilà, ok. Ok, ça marche, pas de problème. Merci, au revoir. Et les Bibles, David, ok, c'est bon, oh, il a coupé. Ok, mes amis. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. Ouais, le Seigneur, effectivement, nous comble, en tout cas. Voilà, donc on va. Alors, grâce au Seigneur, on a pu vraiment presque achever le travail de la traduction. Hein. C'est un travail de fou, un travail un grand travail qui a nécessité beaucoup, beaucoup d'années de travail, d'investigation, d'investissement, de consécration, de combat, de lutte, d'insultes, de critiques, de doutes, de murmures, de tout. Mais le Seigneur nous a donné la force pour ne pas céder. Et on ne cédera pas, comme vous le savez. Et grâce à lui, le travail se fait. Et grâce à lui, il y a beaucoup de trésors qui sortent. Alors, pour la nouvelle version qui certainement fera, en tout cas la version papier, une bénédiction hein, pour nous tous. Alors, il y a quelques nouveautés que l'on a, par exemple, je vais juste vous montrer. Voilà. Par exemple, là, on va ici, on fait recherche. Alors, je vais écrire ici, là, quelque chose. Vous voyez, par exemple, on retrouve Shalom, par exemple. Vous voyez? Alors, par exemple, là, dans Juges 6, 23, et Yahweh lui dit, Shalom, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Shalom, voilà.
J'aime bien, mes amis, ce beau mot hébreu. Et je pense que je ne suis pas le seul. Shalom, shalom. On l'avait complètement gommé, remplacé par paix. Mais shalom veut dire plus que la paix. C'est plus que la paix. Voilà, donc on a, voilà, j'ai remis dans quelques endroits comme ça, shalom. Et le vieil homme dit « Shalom à toi, je me charge de tous tes besoins. Je te prie seulement de ne pas passer la nuit sur la place. » Vous parlerez ainsi pour la vie. Shalom à toi, shalom à ta maison et shalom à tout ce qui t'appartient. Alors Amasai, le chef des officiers de 30, fut revêtu de l'esprit. À toi David, avec toi fils d'Isaï, shalom. Shalom à toi, shalom à celui qui t'aide, car Elohim t'a aidé. N'est-ce pas beau, mes amis, quand on entend shalom, 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 shalom. C'est magnifique, shalom, shalom. Alléluia. Voilà. Donc, shalom, shalom à notre Seigneur et Sauveur. Shalom à notre Elohim. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, donc, on nous a éloignés malheureusement complètement de nos racines hébraïques et nous voulons fortement, mes amis, confesser que oui, nous sommes, n'est-ce pas, descendants d'Abraham et nous sommes les enfants d'Abraham et nous avons pour racine, bien sûr, Yehoshua, le Messie, et on ne peut pas, mes amis, être chrétien et être antisémite. Ce n'est pas compatible, voilà. Donc, le Seigneur est fidèle, que son nom soit béni. Alors, shalom à tout le monde, au nom de Yeshua, gloire au Seigneur. Alors, donc voilà toutes les informations que je voulais en gros vous passer.